Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir le Windows Privilege Escalation. C'est l'attaque 1574.009 au niveau du MIRT Attack Framework et c'est ce qu'on appelle le Uncoded Service Path, hein, donc de chemin de service qui n'est pas mis en simple double guillemets. D'accord? Le principe du code. Donc par défaut, vous l'avez compris, il faut que ça soit coded. Pour gérer les white space, les caractères spéciaux, le problème c'est quand on n'a pas ces côtes, hein, ces guillemets, eh ben ça va nous permettre de faire une escalade de privilège. Hein. Vous savez que Microsoft Windows permet, hein, par granularité, via les ACE, les ACL, de contrôler les accès, hein, qui incluent services, fichiers, entrées au niveau du registre, hein, de l'éditeur de registre. Donc on a une attaque qui s'appelle l'Uncoded Service Path, qui va nous permettre de faire une privesque, une escalade de privilèges, et c'est extrêmement critique, hein, puisque l'attaquant va servir en fait d'une escalade de privilèges au sein de Windows pour devenir NT Authority System, et donc passer d'un compte à bas privilège, à faible privilège, un compte à haut privilège. Donc on a toute une famille, hein, que vous avez sous les yeux, qu'on appelle Insecure Services, donc service non sûr, et on a la 09, la 011, la 001, la 010, la 05, la 005. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est l'Uncoded Service Path, hein, MIRT, T1574.009. On a aussi des registres faibles, enfin, permission faible au niveau du registre, hein, c'est la 1574.011. Ensuite, on a le DLL hijacking. Hein, on va venir injecter le principe de hollowing, d'injecter des DLL malicieuses hein, qui vont être appelées, qui vont venir attaquer le système ou permettre une escalade de privilèges. Ça, c'est l'attaque MIRT T1574.001. Et ensuite, par opposition aux permissions de registre faible, on a également des permissions de registre de service faible. Hein, qui sont mal configurés. Donc ces deux-là, c'est la 10 et la 11, hein, T1574.010 et T1574.011, hein, c'est la petite sœur. Et ensuite, au niveau de l'installeur, hein, au niveau des exécutables, pareil, problème de permission, ça c'est la T1574.005. Hein, donc on voit qu'on a 5 attaques, on va se servir de l'une d'elles aujourd'hui et on les regroupe dans les Insecure Services. Donc, c'est quoi cette histoire? Ben, en fait, concrètement, quand vous définissez le chemin hein, d'un service, un hein, chemin absolu, il va falloir le mettre entre guillemets, hein, puisque s'il contient des white space, hein, des blancs, eh ben, ça va créer une porte dérobée en fait, hein, au sein du service. Et on va pouvoir exécuter notre propre charge utile à la place du service, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les API hein, de Windows cherchent à des endroits bien précis hein, où sont référencées les applications. Et si elles ne trouvent pas ce premier chemin, on va passer au deuxième chemin, troisième chemin, quatrième chemin, cinquième chemin, sixième chemin. Je vous en avais déjà parlé. Hein, et ça se fait par hiérarchie. Et le but, lorsqu'on fait cette attaque, c'est de trouver tout simplement une application qui contient, eh ben, un espace au niveau de son chemin et qui aura un service vulnérable associé. Hein, service qui sera uncoded. Hein, donc, on n'aura pas le quotation marks. Et c'est à partir de là qu'on peut faire notre privesque et installer de la persistance. D'accord? On a un programme. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que voilà, hein, c'est tout le principe. Hein, et là, ZSH, il te le dit bien, il te le dit, Coco. Ça, je comprends. Hein. Par contre, à partir du moment, hein, bah là, il te dit, ah ouais, okay, moi, je comprends, c'est le point programme. Hein. Après, il y a un white space. Après, à la limite, tu as une autre sous-chaîne hein, qui s'appelle files. Hein. Mais si tu veux m'expliquer que ça plus ça, bah, c'est égal à ça, bah, faut que tu mettes les doubles côtes. Hein. Là, je comprends bien que c'est un string. Hein. C'est pas deux sous-chaînes qui forment un string. D'accord? Ben c'est exactement ça, en fait, le problème qu'on va avoir. Hein. On va avoir. Donc, je vais prendre l'exemple d'init. On a un truc qui s'appelle init data. Hein. Et là, on voit que on a plein de blancs. C'est pas bon du tout.
On a un truc qui s'appelle et on a un truc qui s'appelle démon, par exemple. Donc on voit que le binaire est chargé à partir de ce chemin. C'est le petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Un là. Un là. Un là. Hein, la preuve en est. Donc, qu'est-ce qui va se passer techniquement? C'est exactement ça. C'est exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut réfléchir avec cette logique. Ça va aller sur ces deux points. OK? Oubliez tout le temps le deuxième. Vous voyez que là, celui-ci, il est en rouge. OK? Ces deux points, ça va chercher quoi? Ben, ça va chercher programme avec un P majuscule, pardon. Si tu veux bien me le mettre, non, il veut pas. Là, c'est la première étape. Ensuite, s'il n'a pas trouvé là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche dans Program File. OK? Il cherche dans Program File, mais il va chercher quoi? Il va chercher Init Data. Non, non. Pareil, là, il y a un white space. Il va chercher ensuite quoi? Il va chercher ensuite dans Program File un truc qui s'appelle init.exe. Eh ouais, je sais, ça paraît complètement fou. Ensuite, on avance là, on avance là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans init data. Hein, dans init data, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher un truc qui s'appelle run.exe. Et s'il ne le trouve pas, vous l'avez compris, il prend tout. Ok? C'est des white space. Donc c'est vraiment cette logique. Hein. Programme.exe. Init.exe. Run.exe. Ah ok, je prends tout. Il cherche dans Program Files, Init Data, Run Services. Et il cherche démo.exe. D'accord? Donc tu as bien compris que si à la racine on peut écrire ce qui est rarement le cas, Programme.exe, eh ben il va exécuter notre porte dérobée. Ok? Si on met init.exe dans Program File, de même. Et si on met vuln dans init data, hein, de même. D'accord? Donc, vous voyez que c'est tout le temps une sous-arborescence de décalage. Puisque là, on part, c'est le point programme, mais c'est point exe. Donc, on commence sur C. Sur C, on peut rarement ajouter, à moins d'être admin. Hein. Donc, voilà. Mais par contre, Program File, ça peut être intéressant. Init data, ça peut être intéressant. OK. Ou vuln ça. D'accord? Donc en gros, on a trois chemins. On a C, on a Program File et on a Init Data. Donc maintenant, le but, c'est de tester tout ça. Hein. Donc, on va compromettre la machine. Hein, avec un compte ABAP privilège, Metasploit, Netcat, ce que vous voulez. Alors moi, je vais même prendre un accès bureau à distance, on va pas se prendre la tête. Le but, c'est de comprendre le vecteur d'escalade. Et on va passer d'un compte ABAP privilège à un compte à haut privilège. Hein. Je veux passer NT Authority System. Donc, on va se connecter au lab et puis on va voir. Ça, c'est notre compte à haut privilège. D'accord? Il est administrateur. Ensuite, on a. On a un compte qui s'appelle Try AcmeBD. OK? Et lui, il est en Remote Desktop User et en User. Hein. Donc, il n'a pas les droits admin, ni sur le contrôleur de domaine, ni sur en local. D'accord? Donc ça c'est bon, c'est récupéré. Maintenant, on va jouer sur ces deux comptes. Donc là, j'ai le compte administrateur, d'accord? Le compte administrateur, on va lui dire, écoute, tu vas créer un service, SC Create, hein. Je crée un service backdoor demo, hein, c'est son petit nom. On lui passe le bin pass, donc chemin absolu égal, et vous l'avez compris, on va lui mettre, je sais pas si je peux le coller, je vais le mettre comme ça. Donc, programme, Rails, je vais faire plus simple, je vais prendre la tête. Voilà, si à la limite. On va reprendre l'exemple parce que je sais. OK?
Donc, le service va être enregistré en tant que backdoor démo. Je lui demande le chemin absolu. Okay? Et on lui dit, écoute, à chaque fois que le service se lance, en fait, hein, c'est demo.exe que tu vas venir chercher et on passe le service en automatique via la commande RC. D'accord? Donc, il nous dit, écoute, Coco, RC, il a bien créé ton service, hein, success. Ok, donc maintenant, on a ICALS, hein, qui est utilisé un peu partout. ICALS, je vais y arriver. Donc ensuite, on a ICRS-CLS. Alors ça, c'est assez pratique pour voir tous les droits. C'est un peu l'équivalent, comment dire, soit d'un SHAUN, soit d'un CHMOD, hein, sous Linux. Ça va nous permettre tout simplement de modifier tous les droits, les permissions, hein, sur les fichiers et sur les arborescences. Hein. Donc vous pouvez le faire, c'est ce qu'on appelle les ACE. Hein. Le ACE et les ACL, c'est vraiment les bases. Hein. ICACLS. Intégré au sein de Windows et on va lui faire alors le point W write no mapping between account name and security was done. Pourquoi? Ok. Donc on a bien donné les droits, d'accord? W, droit en écriture. Changer les droits avec notre ami, puisqu'on lui a dit. On lui a dit W, ok? Je lui ai demandé quoi? Write only access, hein? Les droits en écriture, d'accord? Et après, vous voyez hein, le principe de grant, deny, remove, etc., etc. Hein? Ça permet de définir les droits, hein, le grant. Donc les access control entries, hein, les ACE, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Hein. On s'en sert partout via les API et on a une access control entry, ACE, hein, qui est un des éléments de l'access control list, l'ACL. Hein. Donc l'ACL est formé d'un ou de plusieurs ACE. D'accord? C'est ce qu'on appelle des listes de contrôle d'accès, hein, les ACL. Et des listes d'entrée de contrôle d'accès. Je vous mettrai la documentation. D'accord? Voilà. Je vous conseille de récupérer ça. Ça va vous permettre de faire pas mal de trucs. Donc on a vu ICA, CLS, on a Sublime ACL, hein, qui est un petit outil utilisé par Microsoft, en fait, qui va permettre de modifier toutes les permissions de sécurité sur Windows. Hein. Fichiers, arborescence, registres, services, imprimantes, partage réseau, hein, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Là, en l'occurrence, ça va nous permettre de donner des droits un petit peu toxiques. Hein, pour notre exemple, pour que vous compreniez ce type d'attaque. D'accord? Donc, on va pouvoir donner à l'utilisateur, notre utilisateur, tout simplement la permission de suspendre, donc de mettre sur pause ou de continuer, de start, de démarrer ou de redémarrer, hein, ou de stopper un service. Ok? Certitude. C'est un cache. On va le faire. Cache fsplit. Donc l'adresse de mon serveur, mon calé 4444, hop,
Le fichier final. Okay. C'est passé. C'est passé. On installe. Donc tout ça, c'est pas l'attaque en soi. Là, je suis en train de préparer l'environnement du lab pour vous montrer l'attaque, l'escalade de privilège. Donc pareil, lors de vos pentests, si vous arrivez à installer le Windows Resource Kit, hein, parfois il est installé même, sur les serveurs, vous pouvez détourner encore une fois, faire des attaques Living of the Land, se servir des outils natifs de Windows pour commencer à bidouiller les ACE, hein, pour justement creuser votre trou. C'est signé par Microsoft, il n'y a pas de problème. Donc, il y a peut-être des chances que vous puissiez l'installer, ok? Va dépendre des privilèges que vous avez sur la machine. Ok, donc maintenant on peut par granularité, pareil, taper dedans et lui dire écoute, c'est bien, mais on va quand même t'octroyer les droits. Hein. On a vu que notre service, tous les built-in users avaient le droit en écriture. Maintenant, on va donner les droits en PTO, hein, comme je vous disais, pour redémarrer les services et avoir le droit de pouvoir le faire, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, donc, voilà, c'est oh. Windows Resource Kit. Tools, et là, vous avez plein de petits tools, assez sympa. Je vois, je mets Berry. Et on va lui donner le petit haut. Done. Modified one, file zero. Ok. Donc on lui a donné les droits pour redémarrer le service. Ok. Ah putain, le camel case. Camel case, mon Dieu. Ok, ah, déjà, il est un petit peu plus gros. Ok, bon. Okay. Donc, on va lancer le encoded. Voilà, service passe. Vous voyez que ça passe. C'est de le dire. Et on retrouve notre backdoor démo. Et il nous le dit bien. Écoute, write service binary. Tu as le droit d'écrire. Tu peux faire des modifications, hein, en tant que built-in user. Write data, add files, hein, append data, add subdirectory. Donc visiblement, tu peux lancer l'attaque. D'accord? Alors, on a vu qu'on avait trois endroits pour lancer la backdoor. Il faut vérifier. Donc on va commencer par ICA, CLS, sur quoi? Sur, on l'a vu, c'est le point
programme file, hein, puisque c'est là qu'il se trouve. Comme ça. Ok. Donc on n'a pas les couleurs parce que c'est une version offusquée. Unquoted space detected. Donc on voit qu'il nous le trouve également. Alors, il nous faut créer notre charge utile. Alors, je vais la créer là-dedans. On va se faire un sudo msf venom. Alors, la plateforme, c'est du Windows, Envoy, un shell, reverse, TCP, 10. Donc ça c'est mon Kali 90, elle porte, on veut utiliser un point, fichier exe et redirection, on va l'appeler donc on a dit que nous c'est démo.exe hein, qu'on veut charger puisque c'est ce que c'est ça que charge le service comme on l'a configuré. Donc, il nous faut sudo ouvrir le 443. Il nous faut un netcatlistener sur le 443. Parfait. Il nous faut héberger un nouveau. Ok, F qui marche. Split. ITP 11, 26, 90, port 444, 4, démo.exe, output. On va l'appeler val.exe. Alors, il n'y a pas besoin du haut, Ok. Donc, on a notre val.exe qui a été poussé. Et maintenant, vous l'avez compris, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on a notre ami TryActMeBuildy qui fait partie du building user. On a vu qu'on a les droits, hein, puisqu'on se les a octroyés au niveau d'initData. Et dans initData, on peut écrire. On pousse, qu'est-ce qui va se passer? Le service va se lancer, comme vous l'avez compris. Il va chercher à la machine un programme.exe, il va pas le trouver. Il va chercher dans programme files, il va chercher un init.exe, il va pas le trouver. Il va aller dans programme files, init data, il va chercher un val.exe. OK? Puisque la suite, c'est quoi? La suite, c'est van service. On oublie le deuxième, donc il va chercher van.exe. On lui met le van.exe dans initData. Ça va le faire. Donc, première étape, il ne va pas trouver. Deuxième étape, il ne va pas trouver. Troisième étape, il va trouver notre service. Le lancer. Lancer le faux service, qui va être notre exe, qui va être chargé en mémoire. Et parce que juste après, il y a le vrai service hein, qui s'y trouve. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah, net, start.
Voilà. Je lui demande quoi? De démarrer mon service. Mon service s'appelle Backdoor Demo. Okay. Donc voilà. Votre charge utile, vous la placez au bon endroit. Il faudra faire les modifications d'usage si jamais vous n'avez pas, hein, via les deux outils qu'on a vus, hein, ICAL, CLS et notre autre ami. On voit que escalade d'un bricolage. D'accord? Donc voilà, le service est lancé en tant que route, en tant que MTM Authority. Du coup, on récupère un reverse shell avec le MT Authority System. La machine est totalement poutrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.